Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement, toujours sur le mot avon, sur le mot iniquité. Je crois que c'est la cinquième vidéo, okay, que nous allons voir en fait là. C'est un mot très 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 important. Mais remettons avant cet enseignement à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce en précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole, qui est la vérité. Nous te rendons grâce en précieux nom de Yeshua. Nous sommes ton serviteur, ta servante, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, grandir dans ta vérité, à la gloire de ton Saint-Nom, afin d'être un serviteur et une servante comme toi, tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de la sainteté, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Oui, pour que dans les temps qui viennent, nous puissions être, oui, celui et celle que tu veux, afin de glorifier ton nom dans les cœurs. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, dans Ézéchiel chapitre 44. Ok, et nous continuons effectivement l'enseignement sur l'iniquité. Ici, le mot iniquité, on va le trouver au verset en fait 10, en fait déjà, donc 44, 10, je lis simplement en fait le premier verset, mais les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre les idoles, porteront la peine de leur iniquité. Avant effectivement de continuer l'enseignement, on va donc revoir la définition du mot iniquité. Très très important. Ok, donc je vous la montre ici, je vous la sélectionne. On va l'agrandir en fait un peu, ok. Nous l'avons déjà vu, mais c'est bien de la rappeler. Avon, avon en fait ici, donc ça veut dire iniquité. Ça existe 230 fois dans 213 versets, ok. C'est un nom masculin, numéro Strong 05 771. Cela doit toujours, ce mot-là doit toujours être traduit par iniquité. En réalité, c'est traduit de différentes manières dans la version seconde, selon les versets, mais ce n'est pas une bonne chose. En fait, ici, on parle là d'iniquité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire iniquité? C'est important de bien comprendre ce que veut dire le mot iniquité. Le Seigneur nous pardonne de nos transgressions, de nos péchés et de nos iniquités. Nous verrons les définitions de pécha pour la transgression et rata pour le péché. Pour le moment, nous étudions l'iniquité. C'est extrêmement, extrêmement important pour effectivement bien comprendre les versets. Donc le mot iniquité, en fait, ici, très important, le Seigneur nous lave de nos transgressions, de nos péchés, de nos iniquités, pourvu qu'on soit dans une attitude de repentance, oui, bien sûr, et que l'on reconnaisse nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Mais si, en fin de compte, on ne sait pas, en fait, ce que vraiment ça veut dire, résultat des courses, eh bien, on peut, en fait, ici, mourir de nos iniquités, oui bien sûr, être complètement piégé, ne pas avancer, ne pas faire la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'on est dans l'iniquité. La racine en fait ici, Aïn Vav Noun, qui veut dire avon ici, vient du verbe ava en hébreu, on l'avait vu, qui évoque l'idée de faire plier, de tordre, de déformer, de pervertir, d'être fourbe ou vicieux, c'est-à-dire de ne pas être juste comme le Seigneur le veut, tout simplement. Okay? Donc quand on est dans l'injustice, okay, c'est effectivement assez grave, mais en fin de compte, il y a une forme aussi en fait d'injustice, c'est l'iniquité, où là, ça peut être dû à une méconnaissance, etc. Okay? Donc dans ces cas-là, en fait aussi, eh bien, le Seigneur accepte effectivement de nous pardonner si nous avons une attitude de repentance. Par voie de conséquence, le mot avon, qui a la même racine, aïn, vav, évoque toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu ou déformé. Donc l'iniquité commence en fait dès lors que l'on déforme l'écriture. On dit oui, mais en fait on ne le fait pas complètement, etc. Par exemple. Donc on a déformé, on a tordu le sens, etc. Il y a donc une idée là de corruption. Tout ce qui afflige, humilie ou affecte, ou bien sûr. Selon les écrits de Qumran, très très important, le mot avon exprime l'influence aussi d'esprits mauvais venant de Bélial, c'est-à-dire de Satan.
Donc dès lors qu'on n'est pas dans l'obéissance, dans l'intégrité, si je puis dire, vis-à-vis en fait de l'Éternel, okay, eh bien résultat des courses, on peut être en fait sous influence, oui, sous influence démoniaque. C'est très clair. La désobéissance et l'insoumission ouvrent la porte à l'activité démoniaque. Très, très important. La lettre finale, Noun, donc ici on a vu les premières en fait lettres, Aïn, Vav, donc ça évoque l'idée de la déformation. Okay? Le Noun en fait ici, okay, indique ici une conformité au monde, l'action de se joindre corporellement, de cohabiter avec les autres dans le but de se corrompre. Bref, un croyant dans le monde, okay, un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel. Très, très important. Sinon, il sera la proie de la corruption spirituelle, notamment de Bélial. Corruption spirituelle du monde, mais corruption spirituelle de Bélial, c'est-à-dire de Satan. Soit en se révoltant contre Dieu, soit en adoptant des valeurs humanistes, rejetant celui qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi le mot avon, le mot iniquité, a en fait ici une importance fondamentale. C'est de bien comprendre en fait ici ce que c'est que l'iniquité. Voilà pourquoi nous passons un petit peu de temps sur justement ce mot et nous voyons tous les versets. Okay? Les 230 fois où ce mot existe dans les 213 versets, nous allons au travers de ces vidéos les parcourir, oui bien sûr, afin de nous éduquer, de nous former, de nous façonner. Les 213 versets dans la seconde, eh bien, en fin de compte, vous en avez 43 qui sont mal traduits, en fait, ici, sur les 213. Voici tous les versets, ici, ils sont listés ici. Par exemple, dans Genèse 4, 13, c'est traduit par châtiment. Dans Genèse 15, 16, c'est traduit par iniquité, l'iniquité des Amoriens. Très bien, là, c'est une bonne chose. Dans Genèse 19, 15, c'est traduit par iniquité, ça va aussi. Et dans beaucoup d'autres versets, Exode 28, 43, c'est traduit par coupable. Ok, bref, par différents mots, en fait, ici. Dans Lévitique 5, 1, c'est traduit par faute, etc. Ou par péché, ou par crime, ou par mal, etc. Bref, on ne parle pas ici systématiquement d'iniquité, si bien qu'on ne comprend pas forcément, effectivement, les versets comme il le faudrait. C'est donc très important, en fait, ici, de bien comprendre, en fait, ceci. Ok, voyons. Donc, nous sommes dans Ézéchiel 44. Je reviens, Ézéchiel 44. Nous y sommes et nous allons revoir le verset. Le verset sur lequel nous étions tout à l'heure, c'est-à-dire le verset 10, donc Ézéchiel 44, verset 10, nous dit ceci: Mais les Lévites, c'est-à-dire les Lévites, qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait ou se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité, c'est-à-dire de tout ce qu'ils ont tordu, tout ce qu'ils ont mal fait, tout ce qui, en fin de compte, a été déformé quelque part. Donc, ils vont subir la peine. Ce sont les Lévites, donc ce sont en fait des hommes qui étaient appelés en fait à servir l'Éternel d'une manière en fait intègre, oui, bien sûr. Okay. La verset 11 dit: Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple des victimes, les victimes destinées au sacrifice d'élévation et aux autres sacrifices. Et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Donc on voit ici, clairement, nous sommes dans Ézéchiel 44. Donc on voit ici ce qui se passera lorsque le temple sera restauré. C'est-à-dire les Lévites porteront la peine de leur iniquité. C'est-à-dire des erreurs qu'ils ont faites, des déformations qu'ils ont faites par rapport à la parole de Dieu. Okay? Ils auront droit, en fin de compte, de garder les portes, d'égorger, en fin de compte, les victimes, oui. Verset 12, parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles, et que pour la maison d'Israël, ils ont été une occasion de chute dans l'iniquité. Donc, ils ont entraîné, en fait, ici, les Lévites, par leur comportement erroné, par leur comportement qui n'était pas conforme à ce que l'Éternel Dieu avait demandé, ils ont entraîné en fait les hommes dans justement l'iniquité, dans la corruption aussi quelque part, dans en fin de compte la fausseté, etc. Donc le Seigneur dit, je lève ma main sur eux, déclaration
de mon Adonai. Donc ici, on a l'expression Adonai qui est très très importante en hébreu et qui parle en fin de compte du Dieu trois fois saint en réalité. Adonai, ça veut dire en fait ici Seigneur, mais c'est Seigneur au pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là dans l'unité en réalité. Le mot Adonai est en hébreu quelque chose d'extrêmement important et prophétique à souhait. Donc ici, déclaration de l'Éternel, c'est-à-dire, en fait ici, déclaration de mon Adonai, c'est-à-dire c'est une déclaration officielle. En fait, voilà comme ça, comment cela se fera. L'Éternel, donc mon Adonai, l'Éternel, afin qu'il porte la peine de leur iniquité. Donc ils vont être sanctionnés. Verset 13. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est-à-dire qu'ils auront tout fait le droit de faire les sacrifices, ils auront le droit de garder les portes, mais ils n'auront plus en fait le droit de faire en fin de compte le service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas du tout, okay, de ce qui est déclaré de ma sainteté. De la sainteté des saintetés, ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Donc on voit ici une sanction qui s'appliquera, bien évidemment. Donc ceci en fait nous interpelle, oui, sur la notion en fait de l'iniquité en réalité. L'iniquité ici, on parle de l'iniquité dans le temple, dans le service du temple. Mais l'iniquité, ça nous concerne tous. Tous, nous sommes concernés par l'iniquité. Chaque fois que nous n'écoutons pas en fait la parole de Dieu d'une manière en fin de compte sincère, d'une manière intègre vis-à-vis de l'Éternel, et que nous ne faisons pas ce qu'il demande, okay, ou ce qu'il attend en fait de nous, nous sommes en fait dans l'iniquité. Nous avons déformé le but en fait que l'Éternel Dieu en fait s'était donné au travers de nous, oui bien sûr. On parle là des responsabilités que nous pouvons avoir. En réalité, par exemple, eh bien, si je suis parent, okay, ça veut dire que j'ai une responsabilité devant l'Éternel, c'est d'éduquer, de former en fait mes enfants, de les instruire comme il convient. Mais si dans ce service, je n'ai pas fait en fait ici comme l'Éternel Dieu le voulait, alors je suis coupable, oui. Je suis coupable dans la fonction de ne pas avoir rempli la fonction que l'Éternel en fait attendait de moi. Donc là-dedans, il y a des transgressions, il y a des transgressions, oui bien sûr. Okay? Il y a effectivement des péchés, mais il y a aussi en fin de compte parce que on n'y a pas mis le cœur ou on n'était pas en fait donc là présent comme l'Éternel Dieu était en droit d'attendre de nous. Ça veut dire que les iniquités pèsent sur notre tête. Les iniquités qui nous concernent, mais aussi l'iniquité de nos pères et mères. Souvenez-vous, il y a bien effectivement des commandements qui disent que l'Éternel, eh bien, punira ou reportera l'iniquité des pères jusqu'à la troisième, quatrième génération, voire plus, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à la dixième génération. Donc, ce qui veut dire, ici, il y a donc des conséquences au péché, aux transgressions, mais aussi au fait de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir mis en pratique comme l'Éternel Dieu le demandait. C'est donc très très important, cette notion d'iniquité. Il faut donc la comprendre. Il faut donc la comprendre dans la tête, la comprendre en fait dans le cœur. Et effectivement, on ne sait pas forcément toute notre responsabilité, bien évidemment. Mais Job, lui, savait dire, lui, dont il est dit effectivement au début, il était un homme intègre. Donc, Job ne péchait pas. Job ne faisait pas de transgression. Il veillait en fait à tout cela. Et il veillait aussi à ne pas commettre d'iniquité. Donc, il était dans l'interprétation des Écritures. Il était juste, en fait, ici, dans l'interprétation des Écritures. Il avait effectivement, en fait, ici, pratiqué ce qu'on appelle un jugement juste, en réalité. Et c'est ce que le Seigneur, en fait, nous demande. Lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, l'Éternel Dieu veut nous former, bien évidemment, au travers des enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. Et effectivement, que nous puissions les appliquer selon un jugement juste dans la justice par la foi, d'une part, et selon un jugement juste.
Nous travaillerons bien sûr cette notion de jugement juste, okay, mais avant, nous parlerons effectivement, nous terminerons en fait d'étudier l'avon, l'iniquité, et nous ferons effectivement une définition du péché, des transgressions, avant effectivement d'aborder le jugement juste. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement juste? Ah, eh bien, ça doit être conforme à l'Écriture, oui, bien sûr. Donc, conforme aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, par la révélation de l'Esprit de Dieu, bien évidemment, et la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est donc très, très, très important. Tous ceux qui ne sont pas, en fin de compte, ici, lavés de leur iniquité, ça va poser en fait un problème. Voilà pourquoi il est extrêmement important de faire attention à cette notion d'iniquité. Oui, bien sûr. On continue. Afin de ne pas en subir, en fait, ici, les conséquences graves par la suite. On continue, et là, on va maintenant dans Osée. Osée, chapitre 4, verset 8. Donc, Osée, chapitre 4, verset 8. Je vais reprendre à partir du verset 6 même. C'en est fait de mon peuple. Donc, Osée, c'est un prophète, en fait, qui a, en fait, ici, prophétisé dans les années, en fait, 800-900, en fait, avant Yeshua, avant la venue de Yeshua. Okay, donc au verset 6, il est dit, c'en est fait de mon peuple, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. C'est une parole terrible. C'est une parole terrible que l'Éternel dit au travers de la bouche du prophète Osée à son peuple. Et notamment, en fait, Israël, oui, bien sûr, en fait, ici, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord, plus spécifiquement, parce qu'ils ont oublié, effectivement, la Torah. Ils avaient changé les fêtes de l'Éternel, souvenez-vous, bien évidemment, et effectivement, ils avaient mis un système religieux en place qui n'était pas conforme, effectivement, à la Torah, aux enseignements de la Torah. Donc, ils étaient dans l'iniquité. Et donc, cette iniquité les a perdus, oui, bien sûr, puisqu'ils ont été conduits en fait à la destruction. Tout système religieux qui n'est pas posé sur les fondements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, se trouvera effectivement confondu dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va juger toutes ces choses, toutes ces iniquités, bien évidemment, que les hommes en fait ont mis en place. Oui, bien sûr. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Verset 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Verset 8. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ces iniquités, c'est-à-dire de tout ce qu'ils ont en fin de compte mis en place, qui est tordu et qui n'est pas juste, qui n'est pas conforme à la Torah, aux enseignements de la Torah. Verset 9. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtirai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Donc on voit ici que tout le monde est concerné. Que je sois sacrificateur ou que je sois simplement croyant, tout le monde a une responsabilité devant l'Éternel, c'est d'écouter et de mettre en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut, avec grâce et vérité, au travers de la révélation des cieux de Yeshua et de l'Esprit de Dieu, évidemment. Tout le monde aura à rendre compte, en fait ici, des interprétations et de la pratique qu'il aura mis en place. Oui, bien sûr. C'est donc très important, on le voit. On continue. Et on arrive enfin dans Osée chapitre 5, verset 5. Verset 5, chapitre 5 commence. Écoutez ceci, sacrificateur. Sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'abaisse. Parce que vous avez été un piège à Mitzpah. Et un fil étendu sur le Tabor. Pour leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime,
mais j'aurai des châtiments pour eux tous, dit l'Éternel. Je connais Éphraïm, donc là on parle bien des 10 tribus du nord, et Israël ne s'est point caché, car maintenant Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Verset 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Elohim, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Donc aujourd'hui, tous les croyants, toutes les institutions qui se sont en fait établies à droite et à gauche, ici sont remises en question quelque part. Est-ce qu'elles sont conformes aux enseignements de la Torah, oui ou non? Ou est-ce que l'esprit de prostitution est là et les a instituées, fortifiées, en fait ici dans leur position, à tel point qu'elles sont tellement orgueilleuses qu'elles ne peuvent revenir? Verset 5. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Yéhouda. Et Juda tombera en fait par la suite. Oui, c'est déjà annoncé au travers du prophète, en fait ici, Osée. Oui, bien sûr. Les 10 tribus du nord vont tomber à cause de leur iniquité. Mais en fait ici, Yéhouda, Juda va aussi tomber. En fait, ici, un petit peu plus tard, un peu moins de 2 siècles plus tard, Yehuda va tomber. Dieu a jugé son propre peuple. Alors, il jugera toutes les nations. Tous les pays sont concernés. Tous les hommes sont concernés. Verset 6. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Verset 7. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants étrangers hostiles. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez du shofar à Gibeah, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin, Binyamin. Donc on voit ici que les temps qui viennent vont devenir très, très difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des jugements qui vont s'opérer. Oui, bien sûr. L'Éternel va juger les institutions. L'Éternel va juger en fait tous les gouvernements. L'Éternel va juger les pays et va juger tous les hommes. Selon effectivement leur iniquité, selon l'attitude qu'ils ont, est-ce qu'ils sont dans une attitude de repentance par rapport en fait à leur comportement, oui ou non, par rapport aux enseignements de la Torah, bien évidemment. Donc tout simplement, la parole de Dieu, elle a été donnée à qui? Elle a été donnée, mon frère, ma soeur, à tous les hommes sur la terre. Voilà pourquoi elle a été en fait diffusée par des prophètes, oui, par des hommes, bien évidemment, qui étaient choisis pour cela, mais dans le but que tous les hommes puissent accéder en fait à cette parole, à ces enseignements de la Torah, afin effectivement que en fait l'Esprit de Dieu puisse toucher les uns et les autres, former les uns, former les autres, ceux qui veulent écouter, qui sont dans une attitude de repentance et qui veulent s'attacher à l'Éternel Dieu. On voit là donc un plan merveilleux que l'Éternel veut opérer, bien évidemment, a voulu opérer, et effectivement qu'il veut opérer en fait encore. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu forme les uns et les autres afin qu'ils soient solidement ancrés sur les enseignements de la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et l'on verra de nouveau la différence entre celui qui écoute Dieu et qui met en pratique comme Dieu le veut, et celui qui n'écoute pas et ne veut pas mettre en pratique. On le verra. Voilà pourquoi les temps qui viennent vont devenir des temps très, très difficiles, oui, bien sûr. Mais ça fait partie effectivement du travail que l'Éternel Dieu va faire, en fait, ici, parmi tout ce désordre qui va venir. L'Éternel va susciter à droite et à gauche des hommes et des femmes bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, qui en fait gardent fermement, en fait, ont ici les racines hébraïques de la foi et le témoignage de l'Éternel, comme quoi le ciel et la terre appartiennent à Dieu et qu'il faut se soumettre et obéir. Amen. On continue et on va en fin de compte maintenant dans Osée chapitre 7. Osée chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Shomron,
se sont révélés, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Donc vous voyez ici, ils ont agi frauduleusement. En fait, l'iniquité, ça nous parle effectivement de tout ce qui est corrompu, tordu, effectivement, qui n'est pas fait comme Dieu, en fait, le veut. Si, en fin de compte, je fais le Shabbat, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose, excellente chose. Mais est-ce que je le fais avec mon cœur? Est-ce que, en fait, je suis impliqué, en fait, là-dedans, bien évidemment, pour le faire comme Dieu le veut, okay? Afin que je sois disponible dans mon corps, mon âme et mon esprit, afin de le louer, de le glorifier et de chercher à être un avec lui en ce jour saint, en ces jours de fête de l'Éternel. Voilà pourquoi les fêtes de l'Éternel, dans les temps qui viennent, sont des repères extrêmement importants tout au long de l'année, oui, bien sûr, et voilà pourquoi il faut en fait les pratiquer. Si en fait on ne le fait pas encore, il faut les pratiquer, il faut revenir, bien évidemment, à la Torah, aux enseignements de la Torah, car chaque fête a une dimension messianique et une dimension prophétique. Verset 2, « Ils ne disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs œuvres les entourent et elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. » Ok? Etc., etc. Je vous laisse lire la suite si vous le voulez. En fait, ici, on parle bien là d'iniquité, c'est-à-dire ne pas être dans, en fait, ici, comment dire, dans le sens, en fait, que l'Éternel Dieu veut. On ne se moque pas de Dieu. Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il voit si on écoute et si on met en pratique avec sincérité de cœur. On continue. On arrive maintenant dans Osée, chapitre 8. 8, et je vais reprendre verset 13. Cette verset 13, je vais reprendre à partir du verset 11. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Verset 12, quand j'écris pour lui les nombreux enseignements de ma Torah, la multitude des enseignements qui sont dans la Torah, ils sont regardés comme quelque chose qui vient d'un étranger hostile. Eh oui. Ici, pas d'un étranger de court, d'un étranger hostile. Donc, les étrangers ici, dans la Bible, vous en avez principalement trois sortes. Vous avez les guerres, c'est-à-dire ce sont des étrangers qui veulent bien écouter, qui veulent bien mettre en pratique, etc., qui peuvent devenir des croyants, oui, bien sûr. Vous avez les étrangers idolâtres, ce sont les Nérars, donc ceux-là, on ne les fréquente pas, oui, bien sûr, parce qu'on ne partage pas, en fait, leur idéologie. Et en fait, les étrangers zours, c'est-à-dire ce sont les étrangers hostiles, qui sont contre Dieu, qui jamais, en fait, ici, ne viennent au Seigneur. Dans les Écritures, les étrangers hostiles sont des étrangers qui sont hostiles et qui resteront, en fait, hostiles parce qu'ils sont hostiles. Donc, c'est des étrangers qu'il faut fuir, oui, bien sûr. C'est donc très, très important. Dans nos Bibles, ce n'est jamais traduit correctement. Jamais, jamais. C'est pour ça que nous avons corrigé effectivement en fait les textes de manière à être plus proche du texte hébreu. Verset 13. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent et en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité, c'est-à-dire de toute leur corruption. Okay. Et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Mitzraïm, c'est-à-dire en esclavage. Verset 14. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais, et Yehuda a multiplié des villes fortes, mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2023 et vous le voyez déjà depuis quelques années, on voit effectivement que les choses se bousculent, les choses vont de moins en moins bien, etc. Et effectivement, il va y avoir des problèmes économiques. Il va y avoir des problèmes politiques un peu partout, etc. Tout cela, la situation se dégrade aussi fortement qu'une nation a pu en fait s'élever. En fait, devant Dieu, elle est fragile. Donc plus, en fin de compte, elle s'est éloignée des enseignements de la Torah, eh bien plus, en fin de compte, elle risque effectivement de tomber d'une manière en fait grave.
Puisqu'en fait, Israël, okay, et Juda, qui connaissaient les commandements de Dieu au départ, ils sont tombés. En fait, l'iniquité est quelque chose, en fait, ici, une corruption qui, en fin de compte, ici, détruit et détruit tout, évidemment. C'est donc très important de comprendre la conséquence des iniquités. C'est même beaucoup plus important que le péché lui-même ou que la transgression, en fait, elle-même, en fait, ici. Okay. Donc l'iniquité, c'est quelque chose, en fin de compte, qui est inadmissible. Si l'iniquité perdure, eh bien, on a des variantes, en fait, de mots en hébreu qui montrent que l'iniquité peut devenir, en fait, intransigeante, etc., flagrante, etc., criminelle, etc., jusqu'à devenir de l'injustice. Et quand, en fait, ça passe le cap de l'injustice, alors là, c'est, en fait, ici, la perdition, bien évidemment, qui est là, au bout du chemin, inévitablement. C'est donc très important de bien comprendre cela, effectivement, et de faire, en fait, la part des choses. Donc, d'apprendre à avoir un jugement juste. On n'a pas encore parlé de ça. On a parlé de la justice par la foi. Je vous encourage à revoir les vidéos sur, en fait, la Tzedaka, la justice par la foi. OK? Parce que nous avons déjà parlé, en fait, ici, de jugement juste, la nécessité d'avoir un jugement juste. Et on parlera de ces jugements justes, bien évidemment, en fait, comment dire, dans les semaines qui viennent. OK. On va continuer. Et on arrive, en fait, maintenant, dans Osée, chapitre 9, 9, verset 7. Alors, en fait, 29, verset 7. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver, le prophète est fou, okay? L'homme inspiré a le délire à cause de la multitude de tes iniquités et du nombre de tes révoltes. C'est donc très clairement exprimé ici dans les Écritures au travers des prophètes. Okay? À cause de la multitude de tes iniquités, eh bien, en fin de compte, les châtiments arrivent. Okay? La rétribution, les jours de la rétribution, en fait, arrivent, etc. Okay. Donc, ça va devenir très difficile. Tes iniquités, en fait, ici, ouais. La multitude de tes iniquités et du nombre de tes révoltes. Verset 8. Éphraïm est une sentinelle contre mon Élohim. Le prophète, un filet. L'oiseleur est sur toutes ses voies un ennemi dans la maison de son Élohim. Ils sont plongés dans la corruption, ici, dit l'Écriture, comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité et il punira leur péché. Voilà donc toutes les nations au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a, en fait, une seule qui plie le genou devant l'Éternel? Pour reconnaître l'Éternel Dieu, en fait, ici, le Dieu de la Torah, comme étant, en fait, son Dieu. Difficile, hein, de répondre à cette question, hein. En réalité, personne. Personne ne suit, personne n'a plié le genou. Et pourtant, depuis 2000 ans, l'Éternel Dieu a envoyé son Fils afin que tout homme qui croit puisse être sauvé. Alors, les hommes, en fait, ici, cela concerne les hommes, ça concerne les nations, en fait, aussi. Donc ici, tous les gouvernements, bien évidemment, est-ce qu'ils sont en fin de compte dans l'iniquité ou dans la justice, etc. La réponse, elle est très claire. En fait, tout le monde est dans l'iniquité, dans la corruption spirituelle. Comme au jour de Gibéa, l'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leur faute. Ok. Alors, je continue pas en fait ici à lire en fait ici dans ce passage. Vous pouvez lire si vous le voulez, on va quand même avancer sur le mot iniquité, hein? On est d'accord. Donc Osée chapitre 12, verset en fait ici, 8 ou 9 dans certaines versions. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la vigueur, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un péché. Donc Éphraïm dit en fait ici clairement, il n'a pas péché. Aujourd'hui, si vous écoutez en fait ici les nations, si vous écoutez le gouvernement, si vous écoutez en fait ici les hommes politiques ou en fait ici les chefs en fin de compte ici de sociétés, etc., ils disent non, nous n'avons pas commis d'iniquité, etc. Nous respectons en fait les lois, même s'ils respectent les lois, ce ne sont pas les lois de Dieu.
Okay. En aucune manière, ce ne sont les lois des dieux. Donc, en réalité, ils sont dans l'iniquité. Oui, bien sûr. L'iniquité, c'est ne pas être, en fait, ici, dans l'obéissance et la soumission à l'éternel Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui a créé le ciel, c'est Dieu qui a créé la terre. Alors, on ne reconnaît pas son autorité. Alors, les hommes sont, justement, dans l'iniquité. Et moi, je suis Elohim, je suis éternel, ton Elohim, dès le pays de Misraïm. Je te ferai encore habiter sous des tentes comme au jour d'autrefois, etc. Okay. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions par les prophètes, j'ai proposé en fait des paraboles. Si Gilead est injustice, il sera certes réduit à néant. Donc quand on passe en fait ici dans l'injustice, okay, quand on est dans l'aveune, on est dans l'iniquité, il y a possibilité de revenir. Quand on est dans l'injustice, okay, c'est impossible. Le mot injustice en hébreu, je vous l'ai montré, on a fait une vidéo, on a fait des vidéos là-dessus. C'est le mot aven, ok? Je vous le montre en fait ici. Aven. Aven, ça existe 78 fois dans 78 versets. Numéro Strong 02, 05. Donc d'un côté, vous avez l'iniquité, aven. De l'autre côté, vous avez aven, ok? Qui veut dire injustice. Si Gilead est injustice, il sera certes réduit à néant. Quand on est dans l'injustice, on s'en va vers le néant, vers la destruction. Donc toutes les nations au jour d'aujourd'hui qui ne veulent pas se repentir, reconnaître leur iniquité, résultat des courses, s'en vont dans le néant. Ils sacrifient des bœufs dans le Gilgal, aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs, etc. Donc là, on voit bien en fait que l'Éternel Dieu va agir. Il va agir étape par étape, progressivement, dans le but de sauver les uns et les autres. Dieu regarde en fait ici aux hommes, parmi en fait les nations, parmi les peuples, okay, afin effectivement d'en sauver le maximum. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche à droite et à gauche des témoins qui sont bien ancrés sur sa vérité, sur les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, afin que cela puisse être serviteur, servante de Dieu, afin de témoigner de la parole de Dieu, okay, d'être des témoins de la vérité dans les temps qui viennent. C'est donc extrêmement important. On continue et on arrive maintenant dans Osée chapitre 13, verset 12. Donc Osée chapitre 13, verset 12 nous dit, l'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Verset 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Donc l'Éternel Dieu, la volonté de l'Éternel Dieu, c'est de vouloir sauver. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais la fin du verset 14 dit, mais le repentir se dérobe à mes regards. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la repentance. Mais si les hommes et les femmes ne veulent pas se repentir, alors, okay, ça va aller dans le mauvais sens. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines, on pillera les trésors de tous les objets précieux. Toutes nos économies, en fait ici, vont être ébranlées. Et ébranlé d'une manière très très grave, oui bien sûr. Ok? Osée chapitre 14. Osée chapitre 14, verset 2. Okay? Verset 2 ou verset 1 dans certaines versions. Israël, reviens à l'Éternel, ton Elohim, car tu es tombé par ton iniquité. Je reprends à partir du verset 1 ou du verset précédent. Chapitre 13, verset 16 dans certaines versions, ou 14.1 dans d'autres versions. Shomron, c'est-à-dire Samarie, sera puni pour avoir enfreint la Torah. Voilà, en fait, ici, quand on corrige en fait le mot acham, le verbe acham, veut dire en fait être puni pour avoir enfreint. Sera puni pour avoir enfreint la Torah, parce qu'elle s'est révoltée contre son Elohim. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leur femme enceinte. Israël, reviens à l'Éternel, ton Elohim, car tu es tombé par ton iniquité.
Verset suivant, regardez bien. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Oui, bien sûr. Ok. Alors, on peut continuer, bien sûr, ce passage. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Elohim, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Lebanon. Ses rameaux s'étendront. Il aura de la magnificence de l'olivier et les parfums du Lebanon. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Lebanon, s'il y a repentance. C'est donc très important, cette vision, en fin de compte, c'est une vision qui est réelle quelque part, en fait ici, qui est le projet, en fin de compte, de Dieu, même pour le pécheur, même pour celui qui s'est égaré, pourvu qu'il reconnaisse ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, d'avoir été dans l'erreur, d'avoir tordu en fait ici les Écritures, en fait ici, de ne pas avoir respecté les enseignements de la Torah. On continue et on va dans Amos maintenant, on change de prophète. Ok. Amos chapitre 3, verset 2. On va reprendre à partir du verset 1. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, fils d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays de Misraïm. Je vous ai choisi, vous seul, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos iniquités, parce que vous avez été choisis. Même chose, l'Éternel Dieu nous a choisis. Il nous a choisis depuis des années, depuis, en fin de compte, okay, énormément de temps. Il a prévu que nous venions effectivement à la vie au travers de tel parent, tel parent, tel parent, afin effectivement de glorifier son nom, de le servir. Alors, il convient de faire attention et d'être attentif. Amos, c'est donc un prophète qui a prophétisé dans les années, en fait, 900 avant Jésus-Christ. Au temps, en fait, des 10 tribus du Nord. Okay. Verset 18, dans Michée, maintenant, on change de prophète. On va dans Michée, Michée chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les transgressions du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. Dès lors qu'il y a repentance, dès lors que l'homme veut revenir vers l'Éternel, tendre la main vers l'Éternel, en fait, ici, pardonne l'iniquité, oublie les transgressions, etc. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à bonté. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Là, ça, c'est l'Écriture qui l'affirme. Il affirme dès lors qu'il y a de la repentance, des hommes sincères qui veulent revenir, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la vérité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Voilà ce que l'Éternel Dieu fait au travers de Christ Yeshua. Au travers du sang de l'agneau qui a coulé, il nous lave de tous nos péchés, de toutes nos transgressions, de nos iniquités par rapport en fait aux enseignements de la Torah en fait ici. Et il nous enseigne la Torah avec grâce et vérité afin que justement nous ne puissions plus tomber dans le péché, plus tomber dans les transgressions, plus tomber dans l'iniquité, sous le joug de l'iniquité. C'est donc très important, on voit au travers du prophète ici, en fait, une promesse qui était annoncée 9 siècles avant la venue de Yeshua. On arrive dans Zacharie chapitre 3. Ok. Chapitre 3. Ok. Et c'est le verset 4 qui nous intéresse. Mais on va reprendre à partir du verset 1. Regardez bien. Il me fit voir Yeshua, Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan. Et oui, ici on a bien le mot Satan. Effectivement, en fait, en hébreu, pas de problème, il est bien là. Oui, bien sûr.
Satan, okay, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, en fait, ici. Okay. Donc Satan, en fait, ici, vous l'avez, hein, ici, je vous le montre. Ok. C'est pas toujours traduit par Satan, hein, du reste, hein, dans certains versets. Ok, c'est même pas le mot Satan. Hein. Ok, le mot Satan, en fait, ici, en hébreu, okay, existe 27 fois dans 23 versets. Numéro Strong 07 854. Satan, ok, c'est 17 fois dans 11 versets, dans Job notamment. Ok? Mais des fois, c'est traduit par ennemi ou adversaire, ou celui qui résiste, ou accusateur. Non, on parle là de Satan. Donc c'est mieux effectivement, en fin de compte, de dire ce qui est, en fait, ici, et de recaler, en fait, bon, les choses, oui, bien sûr, en fait, ici. On parle bien de là de Satan, qui est un ennemi, évidemment, okay, et qui veut nous détruire, car lui, il est condamné, bien sûr. Et il veut entraîner, en fait, avec lui, tout un certain nombre d'hommes, oui, bien sûr. Alors, il ne faut pas être dupe de son jeu, oui, bien sûr. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Yerushalayim, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Yehoshua était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Okay? C'est pourtant le souverain sacrificateur. Okay? Mais l'Éternel Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Yehoshua, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. L'Éternel Dieu nous revêt d'habits de fête au travers du sang de l'agneau, afin que toute l'iniquité qui, en fait, est due à nos erreurs, nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, notre corruption, mais aussi celle de nos parents, bien évidemment. Il dit, j'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Yehoshua cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Mon frère, ma sœur, ça nous parle aujourd'hui. À chacun de nous qui sommes sur les racines hébraïques de la foi, l'Éternel Dieu dit en fait ici, au travers de Yeshua, en fait ici, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, c'est-à-dire tu seras dans un jugement juste, et tu garderas mes parvis, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Yeshua, souverain sacrificateur, mon frère, ma sœur, ne sommes-nous pas appelés, au travers du sang de l'agneau, à être des sacrificateurs pour Christ Yeshua, à la gloire de l'Éternel? Oui, bien sûr. Alors écoute, écoute donc, Yeshua, sacrificateur, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de prodiges. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Qui c'est mon serviteur le germe? C'est Yeshua lui-même. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Yehoshua, il y a sept yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Déclaration de l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. C'est pas merveilleux ça, la puissance de Dieu, en fait, ici. Dès lors que l'Éternel Dieu trouve de la foi, la justice par la foi et un jugement juste dans le cœur des uns et le cœur des autres. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns et les autres sous la vigne et sous le figuier. Ce sont des promesses absolument merveilleuses qui nous sont données en fait là par l'Éternel Dieu, évidemment, au travers du prophète Zacharie. On continue et on arrive en fait ici. Dans Zacharie, chapitre... Non, pardon, dans Malachie. Malachie, chapitre 2, en fait, ici. OK. Malachie, chapitre 2, verset 6. La Torah de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité flagrante qui perdure ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans le shalom et dans la droiture. Il a détourné de l'iniquité beaucoup d'hommes. OK. Là, on parle de qui? Eh bien, on parle des sacrificateurs que l'Éternel Dieu veut lever
à droite et à gauche de vous qui écoutez là cette parole. C'est une parole prophétique. On va reprendre à partir du verset 1, chapitre 2 de Malachie. Vous pouvez comparer avec vos Bibles si vous voulez. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, c'est un ordre. Si vous n'écoutez pas, si vous ne priez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction destructrice. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Verset 3. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il ait de la vénération pour moi. Et il a eu pour moi de la crainte, et il a tremblé devant mon nom. Verset 6. La Torah de la vérité était dans sa bouche. L'iniquité flagrante qui perdure ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Ici, on a le mot, en fait, ici, avla, okay, qui nous parle en fait d'iniquité, mais c'est en fait de l'iniquité flagrante qui perdure. Okay? Ça existe 25 fois dans 25 versets. Donc c'est très très mal traduit dans nos Bibles. Mais ici, vous l'avez noté. Ok, c'est bon. Donc là, c'est l'iniquité flagrante qui perdure. Ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans le shalom et dans la droiture. Il a détourné de l'iniquité beaucoup d'hommes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont comme des Lévites, en fait, ici, des sacrificateurs, en fait, ici, pour les temps qui viennent, afin de détourner les hommes de l'iniquité. Beaucoup d'hommes de l'iniquité, bien évidemment, en enseignant, bien évidemment, sur les racines hébraïques de la foi, sur les fondements qu'il convient, c'est-à-dire sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, bien évidemment, à la lumière des choix. Verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance, et c'est à sa bouche qu'on demande la Torah, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Verset 8. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la Torah une occasion de chute pour beaucoup. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la Torah. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un Dieu un qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Et profanant l'alliance de nos pères. C'est donc ici, on le voit très bien, en fait, ici, vraiment, en fait, l'Éternel Dieu veut qu'on enseigne les enseignements de la Torah, qu'on garde la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua, un Mashiach, et qu'on enseigne, en fait, ces choses-là, afin que l'iniquité puisse s'éloigner des uns et s'éloigner des autres. Oui, bien sûr. Ok, on continue? Allez. On y va. Et on arrive en fait maintenant dans les psaumes. On a fini avec les prophètes. On arrive en fait ici maintenant dans les psaumes. Donc psaume 18. Donc là, c'est un psaume de David. Okay? Donc là, on parle pas mal en fait aussi en fait des iniquités. Ok. Verset en fait ici 21. Okay. Verset 21, je prends à partir du verset 21. L'Éternel m'a traité selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Élohim. Voilà ce que dit David, en fait, ici, d'une manière très claire. Voilà ce qu'on doit, en fait, ici, apprendre, à, en fait, ici, à faire et à pratiquer, c'est à être comme David. Oui, c'est un modèle, bien sûr, c'est un exemple, comme Yeshua, oui, bien sûr, comme David, oui. Verset 23 ou 22 dans certaines Bibles. Tous ces jugements ont été devant moi. Je ne me suis point écarté de ces règles. Voilà, tous ces jugements. Ici, c'est traduit par ordonnance. C'est une erreur. Non, c'est tous ces jugements. C'est le mot mishpat. On étudiera ce mot-là. Il est très important. Okay. On ne peut pas le faire maintenant. Il faut que vous ayez des notions de base déjà sur en fait le péché, transgression, iniquité, sur la justice par la foi, avant d'aborder le mot mishpat. En fait, ici, très important. Ça nous parle de jugement ou de jugement juste. Oui, bien sûr. Tous ces jugements, c'est-à-dire tous ces jugements justes, ont été devant moi,
Et je ne me suis point écarté de ces règles. On verra cela. C'est extrêmement important. Le croyant, lorsqu'il donne son cœur et sa vie à Yeshua, doit apprendre à marcher selon la justice par la foi, la tzedaka, et selon un jugement juste. C'est un apprentissage. Donc il faut écouter, bien sûr, les Écritures, les mettre en pratique, toute la Torah, bien sûr, avec grâce et vérité, afin effectivement de comprendre toute la dimension, effectivement, en fait ici, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Tous ces jugements ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ces règles. David dit, j'ai été intègre envers lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité, c'est-à-dire enfin contre le fait que je peux déformer en fait ici les Écritures. Aussi l'Éternel m'a rendu justice selon la pureté de mes mains, ce devant ses yeux. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre, tu agis selon son intégrité. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. C'est vraiment en fait extrêmement clair. On voit ici, en fait ici, que David se gardait de son iniquité. En fait, même chose, chacun de nous, nous devons apprendre à nous garder de notre iniquité, évidemment. On continue et on arrive maintenant dans le psaume 25. Psaume 25, ok. Psaume 25, verset 11. Ok. Alors, tout le 25 est excellent, hein, tout le verset 25. C'est un psaume absolument merveilleux. Je vais le prendre à partir du verset 1, parce que là, vous avez en fin de compte une traduction qui est corrigée. C'est un psaume de David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Élohim, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles, sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es l'Élohim de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de tes actions de miséricorde, de tes bontés, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions, pécha ici. Souviens-toi de moi selon ta bonté, à cause de la beauté de ton cœur, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles, ici c'est bien le mot humble, dans le jugement juste. Ah, très très important ce mot. Ici, jugement juste, ici, c'est le mot en fait ici, mishpat, dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, c'est très important. Il conduit les humbles dans le jugement juste. Donc il faut être dans l'humilité avec le Seigneur. Oui, bien sûr, s'attacher à l'Éternel Dieu et rester dans l'humilité, en fait ici, et dépendant de l'Éternel, évidemment. Ça va de soi. Si on ne reste pas dans l'humilité, alors là, ça va poser un problème. Donc ici, ok, il conduit les âmes dans le jugement juste. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. Ici, c'est ses témoignages, ce n'est pas ses commandements. Okay? C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Okay? D'avoir déformé tes Écritures, tout simplement, ou d'avoir déformé la compréhension, ou d'avoir interprété de travail. Okay. Donc là, on voit très bien dans ce psaume 25, c'est très très important, on parle bien en fait ici de l'Éternel qui pardonne les péchés, qui pardonne les transgressions, qui pardonne les iniquités. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, dit David. Okay. Vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les détresses oppressantes qui amènent l'angoisse dans mon cœur augmentent. Tire-moi de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi,
Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'intégrité et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Elohim, rachète par une rançon Israël de toutes ces détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Vous pouvez donc ici, j'ai volontairement en fait ici lu tout ce psaume, tellement en fait il est d'une richesse fabuleuse. Okay, on aura l'occasion peut-être d'y revenir en fait encore, mais en fait ici, vous l'avez, vous pouvez faire une pause en fait sur l'écran, le copier bien sûr. Okay, nous avons beaucoup travaillé sur la traduction des psaumes, et notamment sur le 25 en fait ici, vous pouvez donc en fait ici compter dessus, etc. et y aller, marcher par la foi, à la gloire de l'Éternel. Très très important. On continue. Et on arrive en fait maintenant, en fait ici, dans le psaume 31. 31, en fait ici, au verset en fait 11. Psaume 31, verset 11. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Mes ressources sont épuisées à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Eh oui, beaucoup de croyants sont dans la détresse. Eh oui. Mais c'est une réalité, en réalité. C'est une réalité. C'est qu'en réalité, l'iniquité est là, tout simplement. Parce qu'on ne fait pas attention en fait à l'iniquité. On dit en fin de compte chez la plupart des croyants, oui, j'ai été sauvé par Christ, le sang de l'agneau me protège, me garde, etc. Je n'ai pas besoin d'écouter la Torah, de la mettre en pratique, de faire les fêtes de l'Éternel. Tout cela sont des raisonnements qui sont faux, qui sont justement dans l'iniquité. L'iniquité qui m'empêche de voir et qui me retient en fait ici. Dans, en fait, ici, là, dans les ténèbres, quelque part. Et donc, je ne peux pas bénéficier de toutes les bénédictions de l'Éternel Dieu si je suis dans la désobéissance ou l'insoumission. Ça pose problème. C'est là, en fin de compte, l'iniquité. C'est pour ça que tous les croyants, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, etc., la plupart, si ce n'est pas la quasi-totalité, okay, sont tous dans l'iniquité. Oui, bien sûr. Résultat des courses, il y a des bénédictions qui ne viennent pas. Pourtant, Dieu les a promises. Oui, mais en fait, ici, on n'est pas dans l'obéissance, pas dans la soumission que Dieu veut. C'est le résultat, en fait, ici. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de détresse. Oui. Et mes os dépérissent. Verset 10. Aie pitié de moi, ô Éternel, car je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme, le corps usé par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Mes ressources sont épuisées à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Là, déjà, le croyant, il reconnaît déjà son iniquité. Tous mes adversaires m'ont vu, m'ont rendu un objet d'opprobre, un grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi, etc. J'ai oublié les cœurs, des cœurs, comme un mort. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils ont résolu de m'ôter la vie. La plupart du temps, c'est un problème d'iniquité. Verset 2. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Arrache-moi du danger dans ta justice par la foi. Regardez en fait ici, mot très mal traduit. En fait ici, c'est le mot tzedaka. En fait ici, très très mal traduit. Le mot tzedaka doit toujours être traduit par justice, par la foi. La justice que l'on obtient par la foi, en fait, en Christ Yeshua. C'est la Tzedaka. Je vous en ai fait des vidéos là-dessus, regardez-les. Elles sont extrêmement importantes. Ce mot-là ne doit jamais être traduit simplement justice. Il y a déjà un mot qui veut dire justice, c'est le mot Tzedek. Ici, on parle de justice par la foi. Si tu marches dans la justice par la foi que Dieu te donne, et selon un jugement juste, à ce moment-là, effectivement, tu auras toutes les bénédictions que l'Éternel Dieu t'a promises. Elles vont se réaliser dans ta vie. C'est une, en fait, ici, certitude. Ok. On continue. Allez. Et on passe au verset suivant. Là, on passe dans le verset 30, chapitre 32. Psaume 32, c'est un psaume de Masquil, c'est un psaume de David, c'est un Masquil, c'est-à-dire un psaume instructif, okay, qui est là pour nous instruire, nous façonner, etc. dans la foi.
Heureux celui à qui la transgression est pardonnée. Heureux le péché, en fait, ici, qui est couvert. Okay? Heureux celui dont le péché est couvert. Verset 2. Heureux les descendants d'Adam à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Très important. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Okay? Donc, le croyant qui s'attache à Dieu, l'Éternel Dieu, en fait, lui ôte. En fait, ici, les conséquences de son iniquité, de ses erreurs, de ses mauvaises interprétations, de ses mauvaises compréhensions, bien évidemment. Or, évidemment, nous ne sommes pas, en fin de compte, okay, dans une pleine connaissance de la Torah, des prophètes et des psaumes. Alors, on commet toujours des iniquités, des erreurs. Tant que je me suis tu, mes os se sont consumés par mes plaintes tout au long de la journée, car nuit et jour, ma main s'appesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée comme si elle avait été sous les feux de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, Rata. Ici, très important, on le verra ce mot-là hein, aussi, hein, très bien. Okay, mais pour le moment, ce n'est pas l'objet. Hein, aujourd'hui, on est dans l'iniquité. Ratara, ça c'est en fait ici, okay, c'est le mot péché, 296 fois dans 272 versets. Okay. Numéro Strong, hein, 02-403. Je t'ai fait connaître mon péché. Donc là, ça veut dire qu'il y a de la repentance. Je n'ai pas caché mon iniquité. Ah, voilà. Je n'ai pas caché mon iniquité ici. J'avais dit, je confesserai mes transgressions. Donc là, on a péché, transgression et iniquité. Ok, à l'Éternel. Et toi, tu as ôté l'iniquité de mon péché, c'est-à-dire toutes les conséquences, en fait, ici, de mon péché, bien évidemment. Ici, iniquité, c'est le côté, en fait, ici, en fait, négatif, conséquence, en fait, ici, des péchés ou des transgressions. Évidemment, l'Éternel Dieu, en fait que cela ne pèsera pas sur toi, sur ta vie. Verset 6, regardons. Okay, regardez la suite de ce psaume. Très important, je vous le donne. En fait, ici, nous l'avons édité, en fait, aussi. Il existe, en fait, ici. Nous avons traduit certains psaumes déjà. Ok, c'est pourquoi que tout bien-aimé de toi te supplie autant qu'il convient. Ainsi, si de grandes eaux sont en flot impétueux, elles ne l'atteindront nullement. Donc, s'il y a des eaux, en fait, un grand flot, en fait, autour de nous, okay, le Seigneur dit, elles ne t'atteindront nullement. Toi, tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse oppressante, tu m'environnes de chants de triomphe par la délivrance que tu opères même en dernière minute. Je te rendrai sage, le Seigneur dit, je te rendrai sage, je te montrerai la voie où tu dois marcher, je te guiderai de mon regard. Ne soyez pas comme un cheval, comme un mulet, qui n'a point d'intelligence, son attelage est là pour le brider. Avec des rênes à mort pour ne pas s'approcher de toi. Beaucoup de douleurs sont pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de bonté. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Entonnez des chants de triomphe, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est vraiment, en fin de compte, ici quelque chose d'absolument merveilleux. Ok, on continue. Et on arrive, en fin de compte, maintenant, dans le psaume en fait 36. Oula. Le psaume 36 est un psaume très 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 important. Je vous ai dit en fait tout à l'heure, ok, il y a une différence entre l'aveu, l'iniquité et l'injustice. Eh bien, le psaume 36, qui est mal traduit dans nos versions, la plupart du temps, eh bien, nous l'avons corrigé, oui, bien sûr. Et on voit d'une manière très très claire, très très claire. Ceux qui sont dans l'aveu peuvent être rachetés s'ils se repentent. Ceux qui sont dans l'injustice ne peuvent jamais être rachetés. Ils sont perdus et voués à la destruction. Voilà donc, en fait, ici, cela nous apprend à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Ceux qui sont, en fin de compte, de l'aveu, okay, peuvent être rachetés. Ceux qui sont de l'injustice ne peuvent pas être rachetés. Il y a très, très peu de chances, très peu d'opportunités. Okay, dans les Écritures, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, aucun homme qui est dans la justice n'est racheté. Aucun. Ça n'existe pas, il n'y a pas de verset. Okay. Il y a une porte ouverte qui s'ouvre avec Yeshua pour tous ceux qui sont tombés dans la justice parce qu'ils ont été entraînés, en réalité, en fait, ici, par erreur, quelque part. Donc, ils pourront être rachetés. Mais c'est au travers de Christ, au travers de la Brit Hadasha. Mais regardez le verset 36, le psaume 36. Verset 2. La déclaration de la transgression d'un méchant, c'est un psaume de David. Hein? La déclaration de la transgression d'un méchant dit au fond de son cœur,
que la terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux, donc il ne craint pas Dieu. Car il se flatte à ses propres yeux dans son iniquité, c'est-à-dire dans toute sa corruption spirituelle, pour assouvir sa haine. Donc le but, c'est d'assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont injustice. Donc ici, on n'est plus dans l'iniquité, hein, on est dans l'injustice, la veine. Ici, c'est bien le mot aven, je vous le montre, hein, okay, je ne vous trompe pas. Vous le voyez en fait ici, c'est bien le mot aven en fait que vous avez là. Okay, c'est bien en fin de compte ici l'injustice. Ok. Que l'on a là. Okay. Les paroles de sa bouche sont injustice et tromperie. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Donc le méchant, en fait, ici, okay, il est en fin de compte dans l'injustice. Et il a de la haine pour Dieu, etc. Et il ne craint pas Dieu. Il est injuste. Toutes ces paroles de sa bouche sont injustice et tromperie. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Verset 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, ta justice par la foi. Là où l'on retrouve en fait ici, justice par la foi dont je vous ai déjà parlé. Okay, c'est le mot tzedaka. Allez voir, revoyez en fin de compte ici les vidéos sur le mot tzedaka, la justice par la foi. C'est extrêmement précieux. Ce mot-là existe 157 fois dans 150 versets. C'est extrêmement important, en fait, ici, de bien connaître ici ce mot-là, ces versets-là. Ok, ça nous parle, en fin de compte, bien sûr, du salut de Dieu au travers de Yeshua. Il nous donne sa justice par la foi au travers de Yeshua. Nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Ta justice par la foi est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les descendants d'Adam et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Elohim, à l'ombre de tes ailes, les fils d'Adam cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi, la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Étant ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice par la foi, on retrouve en fait ici le mot justice par la foi, en fait ici, le mot tzedaka, en fait ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui doit toujours être traduit par justice par la foi, en fait ici, mais qui n'est jamais traduit tout le temps comme ça. Jamais, en fait ici. Malheureusement. Sur ceux dont le cœur est droit, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir, regardez bien le dernier verset. Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice. Ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Ceux qui sont dans l'injustice, okay, ne peuvent se relever. L'Écriture le dit, psaume 36, verset 13, 12 dans certaines versions. Okay, ceux qui pratiquent l'injustice ne peuvent, en fait, ici, se relever. Voilà pourquoi il convient de faire attention lorsque les hommes se comportent, en fait, ici, comme étant injustes et restent persévères dans l'injustice. Il faut fuir, en fait, ces gens-là. Bien évidemment, nous n'avons rien à faire avec ces gens-là, bien évidemment. Okay? C'est donc très important de faire attention à ça afin de ne pas se laisser entraîner justement par la corruption en fait de ce monde, par Satan qui lui justement cherche à nous détruire. C'est très 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 important. Ok, on continue, on va dans le psaume 38 maintenant. C'est toujours un psaume de David. Ok, donc David dit en fait ici, je reprends à partir du verset 2. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne te châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de la rage due à ton indignation. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. David qui reconnaît ses iniquités, qui dit qu'elles s'élèvent au-dessus de sa tête et qu'elles sont, en fin de compte, plus lourdes, en fin de compte, ici, comme un lourd fardeau trop pesant, en fait, ici, pour lui. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Car un vent brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Mon Adonai! Donc ici, il utilise, il ne dit pas le Seigneur. Non, 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 non.
Il dit mon Adonai, c'est-à-dire qu'il utilise le terme Adonai en hébreu, qui veut dire en fin de compte ici Seigneur, mais qui sont trois. Ils sont un, mais ils sont trois en réalité. Ok, ils sont là pour accomplir les Écritures. Mon Adonai, expression très très importante, qui existe 435 fois dans 419 versets dans les Écritures. Ok, c'est beaucoup mieux que le Seigneur. Mon Adonai. Okay. Tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Okay. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent des pièges, tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas, et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Ô Éternel, dit David, c'est à toi que j'espère, en toi que j'espère. Tu répondras, mon Adonai. Donc il reconnaît en fait l'autorité pleine et entière de l'Éternel Dieu ici en étant Adonai. Mon Elohim, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. David reconnaît son iniquité. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires comme Satan. Ils sont mes adversaires. Comme Satan, en fait, ici. Le verbe, en fait, ici, parce que je recherche le bien. Ici, Satan, petit h. Eh oui, Satan, en fait, ici, c'est un verbe. Comme vous le voyez, en fait, ici, Satan, ici, c'est un verbe. Satan, c'est le nom de Satan, oui, bien sûr. Mais il y a un verbe, en fait, en hébreu, Satan. Ça veut dire se comporter comme Satan ou agir comme Satan. OK? C'est plus fort que être un adversaire. C'est très très mal traduit dans nos Bibles. On est bien d'accord. Satan, c'est un verbe qui veut dire être comme Satan, agir comme Satan, tout simplement. Et vous avez en fin de compte ici les versets. Je vous les montre. Vous les avez là. Ok? Vous avez les six versets où se trouve le verbe Satan. Ok? Qui nous parle en fin de compte d'être comme Satan ou agir comme Satan. Ok? Je reviens donc à mon psaume, en fait, ici. Ok, ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires comme Satan, parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, ô Éternel, mon Élohim, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte à mon secours. Mon Adonai, il utilise l'expression hébreu Adonai, en fait, ici, c'est-à-dire mon Seigneur, mon Maître, mon souverain sacrificateur. Okay. Mon Adonai, il dit ici, ma victoire. Et ensuite, il dit, non pas mon salut, mais il dit ma victoire. Ici, c'est le mot Teshua. Ce n'est pas en fait Yesha, mais Yeshua. C'est Teshua. Et ma victoire, pardon. Autant pour moi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voilà donc en fait ici le psaume 36, 38, pardon. Psaume 38 que nous avons lu en fait ici presque en entier. Ben oui. On a une presse. Tout à fait. Ok, c'était très très important. Ces psaumes sont fantastiques, bien évidemment. Ok, voilà pourquoi il convient de vraiment faire attention à ce que l'on fait. Ok, on va s'arrêter là, en fait, ici pour aujourd'hui. Ok, et on terminera la fois prochaine sur le mot, en fait, Avon. Ok, très important. Remettons ces quelques instants à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Précieuse que tu nous donnes à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, que cette parole nous lave, nous purifie, nous sanctifie dans tout notre être intérieur à la gloire de ton saint nom. Qu'elle nous façonne, oui, Seigneur, qu'elle puisse s'élever dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de ton saint nom, ô Père très saint, au travers de Yeshua Mashiach, par la puissance de ton esprit. Façonne, forme, restaure, Seigneur, car nous voulons te servir, faire ce qui t'est agréable. Que ton nom soit béni. Honorez lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen. À très bientôt.